Et bonjour à tous, ici BJ de retour pour une réaction à un clip de K-pop et aujourd'hui on a enfin les Dreamcatcher, ce groupe féminin qui fait essentiellement du rock, j'adore, c'est très original, j'ai hâte de voir ça, c'est Piri Piri, le titre qu'elles ont sorti le 13 février 2019 et je vais y réagir rien que pour vous, c'est parti. Oula, déjà il y a un son qui est horrible, enfin qui fait peur, mais elle est dans une pièce seule, habillée en blanc, dans une pièce blanche et vide, et elle s'inquiète, hein, mais je m'inquiéterai à sa place aussi. Une chaise au milieu bien entendu, avec une corne pour faire du bruit. Son badass. Habillé en noir ou en rouge. Et d'un coup, on s'excite. Clapement de main, vous savez que j'adore les clapements de main. Yes, j'adore la chorégraphie. Des enchaînements désynchronisés comme ça. Yes, c'est bien du rock. Bon, elle, il y a une histoire avec elle. Oh, quel liquide. C'est pas du sang, mais noir qui s'écoule de la corne. Et maintenant elle est dans une sorte de labyrinthe. Comment elle va partir de là? On la poursuit, non? C'est elle qui sort par une porte et qui rentre, elle sait plus comment sortir. Et c'est un couloir magique infini ton truc. Ils sont belles leurs tenues, incroyable. Est-ce que tu fais confiance à la main qui sort de la porte ou pas? Moi non. Oh, les tenues sont roses maintenant, pastel, assez jolies. Et ça s'excite en arrière. Oh, énormément de montres. Genre, t'as ton temps est compté pour sortir de là, ma pauvre. Ça rajoute un peu un côté horrifique, les montres, toutes ces horloges. Elles ont tout un motif différent de sorte de tissu léger, transparent, accroché à leurs vêtements à des endroits différents. C'est aussi bien, là. Et encore une fois, il y a beaucoup de musique qui utilise ça, et c'est très efficace, il y a un sifflement par derrière. Voilà. Rap rock, mélangeons tout. Ça marche tellement bien. C'est plus des horloges, c'est des tas de téléphones. Mais des téléphones, mais même pas les années 80, des années 30 quoi. Ah, elle a été kidnappée, mais il y a quelqu'un dans la maison, il y a un tueur ou quoi? Yes, j'aime bien les mouvements. Elles arrivent vachement bien à marier des mouvements de chorégraphie et pop classique avec du rock, c'est génial. C'est un petit piano qui arrive. Qu'est-ce qu'elle voit à la télé? D'autres filles comme elle qui sont prisonnières? C'est des jumelles. Ça fait flipper les jumelles. En plus, c'est des jumelles qui ont la même gueule qu'elle, donc c'est elle-même en fait. Des poupées, non, fallait pas aller plus loin. Des poupées, c'est toujours pas bien. C'est jamais bien, je veux dire. Enfin, en plus, elles sont flippantes. Elles tournent la tête toute seule. Pourquoi elle en a pris une dans la main aussi? Tu fuis, dès qu'il y a une poupée, tu fuis. Il y en a plein en plus. Oh, la batterie qui s'excite. Noter parce que j'aime bien cette partie là. Elle a été prise de force aussi. Si vous n'avez pas confiance en moi, ben je vais vous prendre quand même. Magnifique, elle est en gros plan comme ça, ses yeux bleus, cheveux blonds. Oh, la choré avec les mains qui suivent le piano. Bon, elle s'est calmée. Est-ce qu'on va avoir une sortie à un moment donné? Est-ce que le miroir va être une sortie? Le miroir, c'est le classique symbole, l'élément de passage d'un monde à l'autre. Elle touche les murs. Est-ce qu'il y a une sortie cachée dans un mur? C'est génial, c'est efficace. Hein. Oh, elle a pété le miroir, elle n'est pas passée à côté, enfin dedans. Des éclats de verre par terre. Aïe, 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 mais ça devient n'importe quoi, elle change d'identité. Ah, ça y est, elles sont toutes ensemble et elles se tiennent la main. Par contre, ça n'en reste pas moins complètement flippant, leur luminosité qui s'est en allée, comme si on avait une lampe torche sur leur gueule. Bien, encore une fois, du bon Dreamcatcher, j'adore ce qu'elles font, c'est très original. C'est toujours très frais d'entendre du rock, K-pop comme ça, et elles sont très douées là-dedans. Leurs clips sont très énigmatiques, et toujours dans cette petite sensation d'horreur. Dites-moi ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, dans les commentaires. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, car c'est le plus important. Allez, ciao.